assis maintenant. On est sous les poteaux à 100 mètres. Et le ballon qui ressort, mais en direction du camp d'Aqua. Depuis les 22 mètres de l'axe, c'est bien fait, c'est ambitieux. Et justement, ça permet, avec cette magnifique course de Rupia, de gagner plus de 50 mètres. D'abord, on voit un joker médical à ce poste de numéro 10. Il y a Burton Francis qui s'est remis d'une très longue blessure que l'on n'a pas beaucoup vue dans le début de saison. Et qui était le seul joueur de formation disponible après les blessures de Clément Jeulin. Je l'ai dit, touché une cheville également, la blessure à la cheville d'Adrien Latorre. Fixe la défense nivernaise, prend l'intervalle, passe par le sol et libère rapidement son ballon. Le centre Billy Ropia se saisit alors de la gonfle et prend de vitesse la troisième ligne adverse pour un deuxième essai landais. Le premier essai de la saison pour Billy Ropia. Leur entreprise de jeu décomplexée, une recette qui fonctionne avec ses passes main-main, Mourens pour Aitakiyasa, Ropia pour finalement Albin Méron à la conclusion. Revoilà les Landais dans ce match après cette... transmet donc à Billy Ropia qui va croiser sa course avec Nicolas Cachet. L'ouvreur du jour vient marquer un nouvel essai. Des vestiaires, Mont-de-Marsan conserve sa domination mais se montre moins précis avec des ballons rendus à l'adversaire. Dax en profite pour se relancer et sortir de son camp.